Depuis 2018, c'est pour ça qu'il a un peu délavé, il a pris l'eau. Et dès qu'il prenait l'eau, j'ai essayé de mettre autre chose. J'en mettais un autre. Ah, mais c'est mal. Ok, c'est les mêmes. Non, il y en a un qui est jaune quand il pleut. Et celui-là, je le mets quand il fait bon. Mais est-ce que c'est les mêmes mots que tu as écrit dessus? Oui. Ah, d'accord. Il y a pas, ça ne change pas dans le temps. Je tourne un minimum de 1000, ouais. Jusqu'à 100 000, je pense. Dans le trop-plein, là. Moi, ce que j'aime le plus, c'est voir les pancartes, c'est les gens qu'on voit. Il y en a un, lui, là, qui ne sait pas, lui, il m'a dit tout à l'heure qu'il a fait ce matin. D'accord, ok. Il y en a, ils font vraiment des travaux, ils font des photomontages. Moi, c'est la tête des amis. Ben, ouais, c'est la tête des amis. Non, mais c'est moi, les pancartes, je les prends en chaque fois. Ça, j'aime bien leur lire. Et puis, il y a aussi, moi, ce que j'ai trouvé super, c'est la photo de Coluche aussi, avec une citation de Coluche. Et à la fin, il écrit pas. Oui, il écrit pas. Mais tu vois, il écrit pas comme Coluche. Eh bien, oui, c'est vraiment. Regarde, il pleure plus là-bas. Ben oui. Mais apparemment tu vas en tour, mais ça c'est sûr, c'est ça le massage. On n'avait pas. On continue d'avancer. Au manif, les premières manifs. C'est pas loin, on arrive à peu près un kilomètre. Mais les premières manifs, chez les jeunes, je te jure, il n'y avait pas ce massage. Ça a été après. Vraiment. Ça a été à partir de nous. Ah, alors voilà, tu venais. Et donc tu viens. Non, c'est bon. Moi j'adore ça venir au manif. Moi aussi. Alors il y a des manifs au Québec? Non, c'est pas là un peu.
Adeptes de la secte Covidiote, lâchez-nous la grippe. Ah, voilà. C'est bon ça, Covidiote. L'eau passe. La décroissance. Ouais, ça vous dit quelque chose, ça. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Ouais. C'est le seul journal national qui s'insurge contre la dictature technosanitaire. En fait, dans son aspect numérique, contrôle numérique, densité numérique, etc.
l'emprise technologique qu'il y a dedans, le contrôle des populations, tout ça pour pouvoir faire prospérer la croissance et l'économie et le capitalisme. Voilà.